Deux canons. Quoi, du replay? Parce que c'est pas mal au niveau de défense. Vas-y, tranquille. Est-ce que je me mets. Est-ce que. Avant que je le fais. Si vous avez des questions et tout. Je vais vous. Poser des questions. Et si vous pouvez me répondre. Est-ce qu'il faut que j'essaie de m'adapter au niveau de mes défenses? Ça veut dire de ne pas mettre tout le temps les mêmes choses. Ça veut dire si je mettais par exemple que des mortiers, est-ce qu'il y aura un intérêt sur. Et on se retrouve, chers amis, sur une nouvelle vidéo de Soldier Inns. Aujourd'hui, je suis ravi de vous revoir après ce petit week-end. Bon, hein, on est toujours dimanche, hein, je sais, je dis n'importe quoi, mais c'est pour faire rire. Du coup, on va continuer ce qu'on fait, hein, sur ce jeu. J'ai lu pas mal de vos commentaires et il y en avait un qui m'a beaucoup plu, c'est que c'est vrai que j'ai pas encore pensé, mais dire le nom de mon alliance. Et oui. Et du coup, le nom de l'alliance sera dans la description, ceux qui veulent venir et tout. Par contre, ce sera à peu près multi. Il y a plusieurs langages, hein, qui parlent. Il y a de l'espagnol, il y a de l'anglais et tout. Il y a certaines personnes qui parlent français. Et du coup, qui comprennent les uns et les autres. Et du coup, c'est pas mal ce clan. Pourquoi? Parce que ça vous aide pas mal. Et c'est l'un des top clans vu dans le classement. Il est dans le 153 dans le classement. Et 1000. 1000. Non, c'est 125 000. Qu'est-ce que je raconte? Je suis bigleux. Non, 12 545 de points de domination. Du coup, c'est un beau clan que j'ai été invité par eux. Je les remercie tout de même. Du coup, voilà. D'autres choses à dire, je pense que c'est tout pour le moment. Là, pour le moment, je vais essayer pas mal de faire d'attaques. Par contre, on a toujours le gros problème, mais vraiment un giga problème, les gars. Problème de ration, et ça, j'en peux plus. Et je crois que j'ai fait trop de robotos, et c'est à cause des robotos qui consomment le plus. Et du coup, pour réduire la consommation de robotos, il me faut l'amélioration de la technologie. Mais moi, comme je suis une tête de mule, j'ai fait une amélioration de 3 jours, je crois, ou de 4 jours. Et du coup, ça va prendre encore 2 jours pour améliorer ce truc. Pour la passer 22%. Eh ben. Bon, ça, c'est de l'arnaque, mais bon. C'est qui m'a envoyé un message? Ok. Capture, ok, c'est bon. Bah oui, hors caméra, j'ai fait des captures. En parlant de capture, je pense que je vais en refaire, non? Les gens, ils demandent aussi quoi d'autre? Lui, il demande de rations, mais nous, on aura besoin des rations parce que ça consomme trop. Ouh, il y a eu pas mal d'attaques quand même. Hein. Je vais essayer d'attaquer des gens. Est-ce que j'essaye? En vrai, j'aimerais bien attaquer. Et en plus, c'est le but. Hein. Allez, on le met notre mercenaire et on va attaquer. On va mettre peu de marines. On va mettre quelques avions. Oh, c'est ça le problème, c'est que ça va coûter cher niveau ressources si je les perds. Hein. Comme je vous dis, je préfère de la défense que de l'attaque. Mais nous, on attaque pour le clan. On fait comme ça. Nous, on va YOLO Patalo. On utilise nos robotos. Et à l'assaut. Voilà. On va mettre. Avant tout, on va mettre des reconnaissances. Est-ce que. J'hésite de mettre des reconnaissances. Est-ce que c'est pratique? Ah, d'accord, il s'est fait démolir. Ah oui. Mon clan, il est vénère. Hein. Oh, purée. Il est vénère, ce clan. Ah, je vous dis comment il est vénère. Hein. Vraiment, c'est vénère de sécher. De ses. Vénère. Je sais même pas si ça se dit. Du coup, on va mettre 300 marines. Pile, hein, quand même. Parce que. Faut pas abuser que ça coûte très cher les marines à les faire. Parce que niveau ration, quand même, ça te met la patate, hein, faut le dire. On va mettre 100 de robotos. Ah non, ça va faire trop de robotos du coup. On va mettre 60. 43, voilà, à peu près 37, ça va suffire, parce que ça coûte très cher les robotos, marine aussi, mais bon, on les met quand même. Les parachutistes, on en met le tout, que ça coûte que dalle, hein. Je t'en fais 100 et c'est top. Hein.
On met des roboto katana. On va en mettre 5 comme l'autre. 30. À peu près 37. Voilà. 38, 37. Du coup, on va mettre quoi d'autre? On va mettre deux petits tanks pour qui se gèrent. Je vais augmenter le sang. Ce que j'aime bien. Et du coup, on est pas mal, hein. Vous voyez mon mercenaire, je l'ai pas mal amélioré, il fait pas mal de dégâts. Du coup, là, mes guerriers, ils vont faire mal, là. Faut attention aussi, parce que ça risque de faire très mal. On va mettre deux avions et un drone et trois petits avions. Voilà, normalement, on est très bon au niveau attaquant. Du coup, notre... Nous, on a un total de 31 049 d'attaque et 25 884 de défense. Normalement, ça devrait se gérer. J'ai encore des unités dans le bunker. Du coup, on va lancer hein, le combat quand même. Est-ce que je peux mettre un boost de combat? Oh, ça sert à rien. Allez, let's go. Ça va durer combien? 8 heures pour faire une attaque? Eh ben. Mais on en parle de ça ou comment ça se passe? Putain, mais c'est long pour faire pour faire une attaque. Après, là, on a nos ratissages. Ça va durer 2 heures normalement. Je pense celui-ci 10 minutes. Je pourrais faire le dernier normalement. Normalement, je peux faire le dernier. Si j'ai assez du temps. J'aime pas quand ça fait comme ça. Parce que j'ai peur que ça me dise bon, redémarrer le jeu parce que ouais, problème de connexion les gars, c'est pas ça que je veux faire. Ah, ça fait longtemps ce bon vieux jeu les gars. C'est vrai que j'ai pas mal fait de vidéos sur cette série hein, de Soldier Inns, et aussi j'ai fait pas mal de vidéos sur Stormfall of Saga of Survival. Vu que j'ai fini mes aventures de Stormfall of Saga of Survival, qui m'a l'air vraiment le dernier épisode. C'était le plus compliqué quand même. J'avais rien compris. Du coup, j'avais sorti aussi l'autre vidéo de la soirée mini-jeu. Il y aura aussi une autre que j'ai lue dans les commentaires. Ce sera dans une soirée mini-jeu, évidemment. Ce sera pas en série parce que j'aurai jamais assez de temps pour faire tout ça en même temps. Parce que j'aimerais bien sortir la nouvelle série que j'ai fait en soirée mini-jeu, Crafter Legends, parce que je l'ai toujours installé et il m'a l'air beaucoup bien. Je suis content d'être bon, on va pas dire le premier, mais pour moi je suis un peu le premier d'avoir le testé, même si personne y en parle. Du coup je vais découvrir ce jeu avec vous hein. Bon, du coup on a perdu 1000 soldats, on a perdu pas mal de défense, mais on y tient, on y tient les gars, on y tient. On va un peu chercher des ressources, parce que le gros problème c'est les ressources. Du coup, dans nos objectifs globaux, eh ben, je sais plus parler moi. Dans nos objectifs globaux, il faut qu'on essaie d'avoir pas mal de rations. Le gros problème, ça va finir dans 6 heures pour avoir 20 000 de rations. Bon, c'est pas mal, 20 000 pour 6 heures. Le problème, c'est le temps. Du coup, j'essaie de faire encore des attaques. Et en plus, il faut que je niveau up niveau 50, parce que on a pas mal de niveaux à le faire up, parce que on est niveau 48, il faut pas mal d'XP pour up niveau 49. On va faire pas mal de missions, hein, d'opérations spéciales. On va faire des opérations spéciales les plus compliquées, c'est ça l'objectif, hein. On va mettre qui? J'ai pas mal mis de marine et j'ai pas envie d'utiliser, même si ça m'a l'air très très fort. En soi, je vais mettre quelques tanks. Les trois tanks, ça va suffire normalement. Quelques commandos, parce on a même pas mis des commandos. En vrai, j'en ai même pas fait autant. J'ai fait plus de parachutistes que de commandos. Je vais mettre des robotos. Les robotos, on va en mettre à peu près. Je crois que ça va faire trop. Mais on va mettre 40. 50, allez. 50, on va mettre des grenadiers quand même. Ça fait pas mal de dégâts. Et normalement, on est très bon. Et du coup, c'est tout, hein. Du coup, on va faire celle-ci.
Vas-y, on fait les haut level, même si j'ai un peu peur de tout perdre, mais bon, c'est le but du jeu, en plus c'est ça qui rend le jeu très... ça donne la routine du jeu, voilà. C'est la routine du jeu, ça nous donne... on voit, ça nous donne toujours envie de voir nos guerriers se battre. Et aussi c'est pas mal de combattre entre... c'est aussi pas mal de combattre nos risques. On va mettre 5 chars, quelques avions. Normalement on est très bon niveau dégâts. On va mettre 82 de marine, quelques grenadiers et c'est bon. Vraiment j'ai pas confiance en moi, ça se voit. Voilà, on va faire un peu de drone. Ouais, ça va faire beaucoup, ça va mettre 40, ça suffit. 40, ça suffit, faut pas mettre plus que ça coûte très cher. On va faire bien attention. On va mettre peu de parachutistes, peu de marines, peu de grenadiers. De toute façon, ils vont revenir. Hein. Voilà. Est-ce que j'ajoute... Vas-y, j'ajoute un petit tank. Deux tanks et un avion. Ça va suffire. Voilà. Voilà, on a pas mal de choses. Du coup, on a gagné. Vous voyez, dans nos stats, on a vraiment perdu beaucoup de commandos et de grenadiers. On a perdu un tank, ça va. C'est assez rentable parce qu'il nous passe des robotos et un exosquelette boxeur qui est pas mal fort, hein, quand même. On va dire qu'il est fort. On a eu des équipements. On a eu pas mal de rations, mais regardez les rations qu'on a eues! Les rations qu'on a eues, les gars! 8,3K! Mais ça en fait beaucoup! Mais vraiment, ça fait beaucoup, les gars! 8K de rations! 8000! Là, on gagne 100 de carburant et 100 de munitions. Par contre, en rations, ça rigole pas! Mais vraiment, ça rigole point, les rations! On a eu pas mal de points de tournoi et de points d'expérience. Oh purée, je pense que je vais m'amuser, les gars. Oh là là, je vais regarder toutes les infos qui m'en parlent. Alors. Ah, on a perdu deux tanks. Mais regardez la rentabilité! Ça nous a passé. Regardez. J'ai perdu deux tanks. Et là, il nous a passé. Combien de robotos? Ah mais j'ai tout fermé. Attends. Il nous a passé 8 drones Sekira. Et ces drones-là, ça vous fait mal. Ça veut dire que tu t'envoies ça à peu près 8, pas 8, mais je dirais à peu près 20 ou 30 euros de ce type-là à un ennemi avec d'autres combos avec des marines et des avions et des drones et tout. Eh ben, le joueur, voilà, il va être content hein, quand même. C'est un gros cadeau qu'il a eu. Un bon attaque là qui est venu sur lui, le pauvre. Et eh ben, on a eu 189 expériences, c'est pas mal. On a eu 6000 de rations, ça c'est top. Les 6000 rations, ça fait très du bien. Vraiment, ça fait trop du bien d'avoir beaucoup de rations pour améliorer. Vous voyez, ça part très très vite. Hein. Moins de 1000 rations, ouais. On a perdu. Vous voyez, j'ai mis pas mal de. J'ai mis moins de. Marine, j'ai mis 82, il a perdu 27 parce que l'avion et les tanks, ils ont pas mal tanké. Vu que lui, il a perdu 30, non, 13 tanks de locustes. Alors que moi, j'ai mis des robotos et des grenadiers. Alors, c'est rentable quand même, mais ça va. Ça, c'est rentable. Voilà, on est bientôt au niveau up. Ah, lui, il est pas tip-top niveau ressources. Je suis assez très déçu, mais bon. C'est un moment un type de niveau difficile. En plus, niveau 15, j'ai réussi pas grand chose. Vous voyez, les rations, c'est vraiment que dalle. Hein. 100, 100, 100, c'est nul. Je préférais les deux autres parce qu'ils te passaient 6000, 3000. Je suis content, hein. Mais bon, ça va. Je suis vraiment content. Mon petit loup de feu, il a rien eu. Il n'a même pas été détruit. Hein. Il a survécu. C'est mon tank qui a perdu. J'ai perdu un tank. J'ai perdu 15 drones katana. 37 grenadiers. 13
parachutiste et 42 de marine. Lui, il a perdu pas mal de unités. Vous voyez là, niveau attaque, on avait fait 3522 d'attaque. Et lui, il avait fait 3262 d'attaque. Quand même, c'est assez proche. On peut dire que lui, il m'a failli avoir hein, quand même. Mais vraiment, lui, il m'a failli avoir. Du coup, ça va, je suis assez content ce que j'ai gagné quand même. Parce que, vous voyez, j'ai gagné pas mal de rations. C'est grâce à ça que je peux enfin faire mes drones. Oui, ça va commencer, hein, les gars. Vous voyez, j'ai déjà perdu la moitié de mes munitions pour faire un drone. Je crois que j'en ai fait 100. On va faire pas mal de commandos parce que c'est grâce à ça qui fait le taf, hein, quand même, on va dire. C'est vraiment grâce à eux qui met le taf. On va faire des parachutistes, des trackers de reconnaissance. Et après ça, on va faire des marines, parachutistes. Et on va essayer de débloquer tracker de chien qui est pas mal que le tracker de reconnaissance. Je sais pas à quoi ça sert. Mais vraiment, je sais même pas à quoi ça sert. Tracker de chien de l'enfer. Et en plus, il a un robot chien, c'est pas mal ça. Ouais, ok. D'accord. Bon, c'est pas mal pour les robotos. Du coup, rapport au purée. Ce que j'ai gagné. On a perdu un. Ah ouais, vraiment, c'est vraiment pas mal ce que j'ai gagné. J'ai gagné encore 8 drones Sekera. 6000 de. Je crois que je me répète, non? Attendez. C'est pas pareil que l'autre? Je crois que oui, je me répète. Ouais, je me répète. Je sais même plus où j'en suis, les gars. Ouais, je viens de me répéter. Ça y est, ça c'est la fatigue. Ça commence bien. Voilà, on va faire pas mal d'attaques, hein, quand même. Du coup, j'ai pas mal de. Ah ouais, là, j'ai perdu pas mal de. Poteaux, là, hein, parce qu'ils sont revenus et tout, et c'est pas. Folichon. Du coup, on va essayer de moyen d'attaquer, mais j'ai envie d'essayer de niveau up quand même. J'ai toujours envie. Est-ce que lui, il est meilleur? Non, lui, c'est meilleur. Hein, on va le vendre, hein, ça sert à rien. Ça sert à rien. On le vend. Je pense qu'on va améliorer ça aussi. Continuez-vous. Continuez. On va améliorer ça parce que j'ai pas mal de ressources l'autre fois hors caméra. J'ai eu ça encore une fois. Et ça, c'est vraiment pas mal parce que j'en ai eu deux. Lui, il est amélioré, te fait 3% sur l'infanterie légère. Niveau 1, ça te fait 2%. C'est pas mal. Moi, je le vends. Ah, mais j'ai pas assez de temps. Niveau 49 pour ça. Pourquoi niveau 49? Je me demande pourquoi. Attends, lui, il fait 5% et lui, il fait 3,8%. Moi, je comprends pourquoi 49. Voilà. J'ai pas mal de choses que j'ai faites, hein. On est resté combien de temps quand même? 17 minutes, ça va. Je trouve qu'il y a plus de lumière quand même ici, non? 202. Est-ce qu'il n'y a pas des choses à améliorer? Il y a celle-ci, mais je peux pas parce que mes unités en train de. Mes trucs de technologie en train de s'améliorer. Du coup, je peux pas faire grand-chose en fait. Hop, on va réclamer tout ça. On est niveau 9, de niveau 49, ça c'est top. On a gagné pas mal de rations et de médailles. Ça c'est vraiment pas mal. Et de carburant et de munitions aussi. Je suis trop content d'avoir up. Du coup, on va pouvoir mettre. Et non, ça sert à rien. Lui, il fait ce couteau que j'ai. Il te fait 5%. Et lui, il te fait 3,8%. Ouais, je préfère ce que j'ai porté que ce qu'il me propose en vrai. J'ai pas mal de coffres sur moi. On va ouvrir des nanopacks. Voilà. Tu possèdes plusieurs de nanopacks. Oui. On va les ouvrir tous, hein. Contrôle du recul. J'aimerais bien en débrouiller une, mais ça coûte très cher. Vraiment, ça te coûte très cher. Les gars, est-ce que c'est le moment ou pas d'améliorer ma base? J'ai envie de rajouter des défenses quand même. De me mettre des sulfateuses. Vous voyez, des.
Pas mal de défense, parce que vous voyez, un mortier, ça suffit rien quand même, un mortier. Ça te gère que dalle, quoi, un mortier. Je pense que je vais me mettre des... Je vais me mettre... Alors... Je pense que je vais me mettre deux canons, quoi, du replay. Parce que c'est pas mal au niveau de défense. Vas-y, tranquille. Est-ce que je me mets... Est-ce que... Avant que je le fais, si vous avez des questions et tout, je vais vous poser des questions et si vous pouvez me répondre, est-ce qu'il faut que j'essaie de m'adapter au niveau de mes défenses? Ça veut dire de ne pas mettre tout le temps les mêmes choses. Ça veut dire si je mettais par exemple que des mortiers, est-ce qu'il y aura un intérêt sur certaines unités à part les terriens? Est-ce que je dois me mettre des lance-missiles? Est-ce que je dois beaucoup me... Beaucoup mélanger certaines armes, un peu de lance-missiles, un peu de canon quadruple. Si vous avez des idées et tout pour la prochaine épisode, je les lirai et vais essayer. Hein. C'est vraiment ça pourrait me faire plaisir. Et du coup, je pense qu'on va se laisser là pour aujourd'hui, parce qu'il n'y a vraiment pas grand-chose à faire. Est-ce que je fais... Vas-y, on va faire un peu un petit truc. On va améliorer nos mercenaires. Ah ouais, lui il est en attaque, hein, il revient. Ouais, dans 8 minutes, je vais améliorer le saboteur. Tant qu'il est de manière niveau 1, il sert à rien niveau 1. Hop, on va améliorer des choses. Hein. Tous nos mercenaires, parce qu'il faut toujours les améliorer, c'est toujours pas mal. Parce que si vous les améliorez pas, il devient archi nul, ou même giga nul. Hein. Du coup, je vais les améliorer. Hein. Voilà. Et après, on va se laisser là pour aujourd'hui. Ça m'a beaucoup plu cet épisode. Voilà. Beaucoup de choses à améliorer. J'ai pas mal de clous. Hein. Je sais même pas comment je pourrais les nommer. Ces petits trucs bleus là. Vous voyez, où j'ai 203. Je sais même pas comment ça s'appelle. Du coup, voilà. Vous voyez, regardez à l'assaut. On va y aller améliorer tous nos mercenaires sur ce pauvre chasseur de tempête niveau 1. Voyez, on a 3 milliards dessus, on va s'amuser, hein. Oh, ça, ce qui est bien, c'est que t'as pas de limite pour améliorer tes mercenaires. Du coup, tu peux mettre autant que tu veux. C'est-à-dire mettre un peu en haut, un peu en bas, à droite, à gauche. Oh, ça, c'est drôle. Parlant de mercenaires, je vais essayer de chercher des caches de ressources, de rations. Pourquoi? Parce que... Il m'en faut pas mal de rations, même si j'en ai beaucoup là en ce moment. Je vais prendre celle-ci parce que me plaît beaucoup. Je vais prendre ce mercenaire-ci. Ah non, en fait, je vais laisser tomber parce que j'ai pas autant d'unités. Je vais éviter. Il faut que j'améliore ça. Il me faut 300 de... Ça s'appelle les points d'expansion. Il me faut 97 de points d'expansion. Est-ce que j'en ai? J'en ai que 10. Ça veut dire que 2, ça fait 20. Ah, je peux les utiliser, hein. Ça sert à rien, vous voyez. 10 points, ça te fait 20. Waouh, je suis riche, les gars, je suis riche. Module de bâtiment. Ok. Ça sert à améliorer nos bâtiments. Vous voyez, j'ai pas mal de rations, j'ai pas mal de munitions. Vraiment pas mal de ressources, hein. Je les garde, hein, ou... j'ai de la protection, si je veux. Donc, est-ce que j'utilise... Je sais pas, mais bon. Mais bon, mais bon. Non, on va pas utiliser ce que j'ai attaqué. Alors. Phoenix. Mais en fait, il me rappelle. Ah ouais, il me fait des rappels, d'accord. C'est normal que. Il me le dit tout le temps. Du coup, on va se laisser là pour aujourd'hui. Et on se dit à la fois prochaine. Allez, ciao, 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 les bros.